Antoine et les Mechins. Antoine et les Mechins. De 21h à 22h. Sur Radio VL. Bon, ce qu'on peut se faire, on peut se faire une improvisation maintenant. Désolé, on a pris du retard avec des petits problèmes techniques. Désolé, Marc, aujourd'hui. On peut essayer de faire une improvisation, un trio, comme vous aimez le faire sur scène. Ok. Un trio. On va peut-être faire moins de 10 minutes, du coup. Oui. On se fait un trio. Alors, on vous laisse expliquer ce qu'est le concept du trio. Vous allez prendre deux personnes autour de cette table et vous allez tous jouer. C'est ça. C'est ça. L'idée des trios, c'est simple, c'est que dans le spectacle, je prends deux membres de public, un homme et une femme, qui n'ont jamais fait de théâtre ni d'improvisation. Ils montent sur scène avec moi, et puis après, bah, pendant une heure, ils vont improviser une histoire avec moi. Et c'est eux les héros de l'histoire. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, le principe. Allez, choisissez deux personnes. Bah, on a qui bah, Aurélien et Eleanor. Ok. Bon, bah, très bien, volontiers. On va faire un mini histoire. Ok. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre quand toi quand, quel genre d'histoire histoire d'amour vous plaît? Ah ouais, une histoire. Oui, Sylvain dit une histoire de mon, mais c'est parce qu'il n'est pas dedans. Hein. Ouais. Parce que c'est Saint-Valentin qui arrive, ah, tout ça. C'est beau. C'est un bon commercial, Sylvain. C'est deux semaines. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme histoire? Vous avez des idées ou pas? Un genre de cinéma que tu aimerais vivre. Si tu devais vivre une histoire, tu aimerais vivre quel type ou une scène de film connue ou... Titanic. Donc, histoire d'amour, ok, on est dans un film romance. Tu veux faire un romance? Ok. C'est ambitieux. Bah, écoutez, je change la musique. Essayez de trouver un terme en attendant que je charge mes sons, que je puisse assurer le mieux qu'il soit, le mieux possible, la partie sonorité. Par exemple, si nous sommes dans un film d'action, je vous mets. Action, non, on a dit un film romantique. Ah, tu vois, maintenant, elle va faire action. Un film romantique, mais ça peut être Titanic en action. Ça peut être romantique action. Oui. En fait, le bateau se casse en deux. Ok, on va voir. Nous avons ça. Oh, voilà, c'est super romance, oui. Très bien. Allez, film romantique avec un thème. Quel thème vous voulez pour ce film? Je sais pas, donne-moi un titre pour un film romantique action qui n'existe pas. Ah, tu cherches un film à romantique action? Romantique action? Un titre pour un film qui est romantique action. La bombe. La bombe, la bombe, la bombe, c'est parfait. Voilà, la bombe. C'est quoi ça? La bombe pour. La bombe, on va voir, la bombe. Dans les deux sens, romantique tu mets une bombe action, et puis c'est toi la bombe. Voilà. Et double jeu. Alors sachez que si vous voulez écrire l'histoire, Marc, nous pouvons assurer cette partie-là. Ok, le typewriter. Ok. Ok, machine à écrire. Allez, c'est parti, Marc et moi. Okay. Je vous suis tant bien que mal avec mes sons. Ouais, tu peux on se fait tout de suite le trio avec Marjane. Le bombe. Chapitre 1. C'était un mardi matin vers 10h55 et dans la rue de New York, Charlène marchait en regardant le soleil. Elle était un peu en retard pour son rendez-vous. Elle s'est essayée sur un banc. Elle regardait sa montre. Et là, un homme s'assoit à côté d'elle. Il lui tourne la tête et lui dit tout de suite: oh, que tu es belle. Elle souriait. Elle savait que c'était lui, son contact. Elle sortait de sa mallette un objet inattendu. Elle lui présenta l'objet, en lui expliquant exactement qu'est-ce que c'était. Voilà, un bonbon. Un bonbon. Ah, un bonbon qui fait du bruit. Un bonbon qui fait du bruit. Oui, car lui, en fait, c'était Paul, agent secret pour le CIA. Il savait exactement ce qu'il avait dans cette bonbon. Cette bonbon qui faisait du bruit, c'était pas n'importe quel bonbon. C'est le bonbon qui devait passer dans les Nations Unies, dans exactement une heure. Car il avait entendu que, dans une heure, il avait quelqu'un qui allait essayer d'exploser les Nations Unies. Il a pris le bonbon, il a remercié tout de suite Charlène. Merci Charlène. Et il a sauté tout de suite dans un taxi new-yorkais. Un taxi s'il vous plaît. Oui monsieur, oui, vous allez où? Je vais au UNESCO United Street. UNESCO United Street, ça n'existe pas. On a les Nations Unies ici, mais UNESCO, on n'en a pas. Vous allez au Nations Unies ou vous allez où? Peu importe, allez-y, emmenez-moi. Ok, bah je vous amène aux Nations Unies alors. Vous avez l'air un peu pressé. Vous mangez un bonbon? Chut, taisez-vous. Je suis taxi, monsieur. On discute avec les gens. C'est juste une façon d'être poli. C'est un bonbon secret pour les Nations Unies. Je ne dois pas dévoiler le secret. Vous avez l'air un peu bizarre. Je suis. Vous êtes stressé, je vois que vous vous frottez les mains. Vous reniflez. Je reconnais cet reniflement. Et vous, vous me reconnaissez, monsieur... Laissez-moi là, je pars. Non, vous ne repartez pas. À ce moment-là, la porte de le taxi se verrouille automatiquement. Oui. Il y a beaucoup de portes. Oui, il y a beaucoup de portes dans mon taxi. Oui,
c'est bien moi. L'homme, le conducteur, tirait sur son visage et il enlevait le masque. C'est moi, l'agent Volstoff, ex-KGB. Je vous ai suivi, Paul. Si vous pensez que vous allez arrêter la bombe que j'ai mise aux Nations Unies, vous êtes beaucoup trop en retard. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que j'ai avalé le bonbon et qu'il faudra venir le chercher pour le trouver. Si vous voulez, on a des moyens pour faire ça dans le KGB. Vous ne pourrez pas. Pourquoi ça, Paul? Explique-moi. Parce que c'est un bonbon United States et les KGB ne peuvent pas comprendre le bonbon United States. Vous me faites doucement rire, agent CIA, avec votre technologie américaine. Vous avez bouffé le bonbon, vous allez mourir dans cette voiture. À ce moment-là, dehors, Charlène courait dans la rue. Elle avait suivi le taxi. Elle criait... Marc! Marc! Oui, elle criait Marc parce que, en fait, Paul, c'était son nom de code. Elle savait que son vrai nom était Marc. Elle avait regardé dans son dossier. En fait, elle était dingue de lui depuis les années. Et là, pour une fois, elle avait croisé. Elle courait, elle sautait sur le taxi. Voilà, ça lui a fait un peu mal. Mais elle a réussi à briser la glace. Qu'est-ce que c'est ça? Disait l'agent russe à l'intérieur. Je viens sauver Marc. Ah, vous... Charlène. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Charlène. Marc. C'est toi? Il est où le bonbon? Dans ma bouche. Eh oh, les amoureux là, vous oubliez pas qu'il y a un agent KBB qui va vous bouter les fesses là? Alors, à ce moment-là, l'agent sortait en flingue. Il braquait direct sur Charlène, et après sur Paul, et après sur Charlène. Charlène devait réagir tout de suite. Elle a tout de suite fait un choix. Elle a décidé de... partir! Elle a chopé Paul, elle a tiré par la fenêtre brisée et commence à courir dans la rue. Ah, oh, vous attendez rien, attendez-moi, je vais vous avoir. L'agent KGB commence à courir dans la rue. La foule commence à crier autour d'eux. Il tirait. Prenez Charlène, je vous la laisse. Paul, à ce moment-là, un moment de lâcheté énorme. Il a jeté Charlène devant, elle est allée se cacher dans une poubelle. Mais Charlène n'avait pas peur. Elle s'est mise debout face à l'agent KGB. Et je il lui a sauvé Marc. Et elle lui a dit... Marc, reviens! Marc sortit sa tête de la poubelle. Il regardait Charlène. Elle regardait. Leurs yeux se croisaient. Et à ce moment-là, il a compris. En fait, Charlène était la femme pour lui. À ce moment-là, l'agent de la KGB a taclé Charlène et l'a ramené au sol. Il braquait son pistolet sur elle. Marc avait que une seconde pour réagir. Il a tout de suite décidé. Je vais t'embrasser. Il a sauté de la poubelle, il a chopé l'agent KGB et il a embrassé l'agent. Qu'est-ce que vous faites, sale américain? Et là, en l'embrassant, il a amené, il a regurgité le bonbon. Il a chopé dans la bouche de l'agent de la KGB. Et en le mâchant, il a activé la bombe. Il a tout de suite dit à Charlène. Cours. Charlène, cours. Ils ont couru aussi rapidement que possible. Ils entendaient le compte à rebours. L'agent de KGB. Non, maudit américain, non. 5 secondes plus tard, ils étaient cachés derrière un autre taxi quand soudain, une explosion retentit dans la rue. Les morceaux de l'agent KGB se jetaient un peu partout et un tout petit morceau tombait aux pieds de Charlène et Paul. Charlène a récupéré le dernier morceau de l'ex-agent KGB. En le regardant, elle a dit à Paul: merci. Je ne suis pas Marc. Moi, c'est Paul. Merde, je me suis trompée pour ça. Non. Elle savait que c'était lui. Enlève ton masque. Tu peux tout me dire maintenant. Il a tout de suite mis sa main, il a tiré sur sa tête, et là, le vrai Marc se révéla. Et elle criait de joie, elle regardait dans ses mains, et le dernier morceau de l'agent KGB, c'était un bague sur un petit bout de doigt, une alliance. Elle l'a retiré, elle a glissé sur la main de Marc, et elle lui dit... Je t'aime. Et là, tous les deux sont repartis ensemble dans la rue de New York. Je t'aime. Bravo. Antoine et les méchants. Antoine et les méchants. De 21h à 22h. Sur Radio VL. M'insulter là.
Hashtag Ricochot, moi, Alban. Hashtag Ricochot, j'ai jamais vu autant de fois le mot le pauvre précédé de tonton.